D'accord. Je voulais jouer à Sonic, moi. Ah, mais le voilà! Mais pourquoi tu fais-tu? Que fais-tu la tête à l'envers, mon cher ami? Salut, salut à tous, c'est Kidé. Et donc aujourd'hui, je réalise ma vidéo comme prévu pour mes spéciales 22 ans. Et donc, pour fêter ça, j'ai donc décidé de faire une vidéo sur mon héros favori, même que je suis fan, sur Sonic. Donc, on va balancer tout de suite. Et donc ce jeu donc c'était réalisé par Selby. Donc c'est basé sur les bases de Sonic 1, mais bon il a vraiment tout modifié. Le jeu est vraiment difficile, j'ai vraiment ragé pour le finir. Enfin, le finir. J'arrivais au boss final, mais je n'arrive pas à le vaincre tellement qu'il est difficile. Et donc là on vient d'atterrir dans le menu principal si on peut dire, parce que là on peut vraiment choisir notre zone. Vous voyez, il y a une ring avec. Comme si c'était une zone spéciale quoi. Et là on va donc aller voir les options pour déjà vous expliquer un petit peu le jeu. Donc voici donc le menu. Nous avons la caméra. Donc, si vous avez fait, vous savez comme dans Sonic CD, pour ceux qui ont connu, c'est vraiment pour comment dire, voir ce qu'il y a au loin quoi. Sonic Hard c'est pour le sprite en fait. Donc si vous voulez mettre le sprite de Sonic 3 ou le sprite de Erazor réalisé par Selby. Vraiment c'est Selby hein, qui a fait le hack, hein, je me souviens bien. Mais j'en suis pas sûr, faut vraiment que je me renseigne un petit peu plus la prochaine fois. Ensuite nous avons un menu mystère, mais ça je crois qu'il faut terminer d'abord le jeu pour le débloquer. Et je crois qu'en fait ça désactive les checkpoints, parce qu'en fait dans le jeu, ah, il est quand même gentil Selby, il nous a mis des checkpoints pour finir le jeu. Et donc bien sûr, donc comme là je vous avais bien pu voir, c'était le chapitre In the End. Parce qu'en fait, le jeu donc sauvegarde la progression au fur et à mesure que vous avancez. Donc, c'est la patoche. Ensuite, vous pouvez effacer votre sauvegarde si vous le souhaitez. Ou bien, il y a aussi le sound test. D'ailleurs, en parlant de sound test, hein, la musique, vous avez certainement reconnu déjà que c'était une musique de Mega Man X provenant de la zone Spark Mandrill. Donc, c'était un jeu Super Nintendo. Hein. Pour ceux qui ont connu Mega Man X, c'est un jeu Super Nintendo. Tout premier du nom. Donc, on va quitter les options. Non, on va voir le Humble Palace. Normalement, je pense que ça se prononce comme ça. Donc voilà, donc nous allons donc attaquer à la première zone. Donc bien sûr, en haut à droite, on a les rings, en haut à gauche, c'est le score. Et donc, sans plus attendre, je vais vous illustrer la première zone. Bon, bien sûr, il y avait un petit tuto, mais bon, comme j'ai déjà prévu, déjà écoutez, c'est moi. Écoutez-moi ça. Oh, la belle petite intro. Bien énergétique, comme je les aime. Vous allez voir, Sonic Erazor va vous faire rager, ça je vous le dis tout de suite. Il est très difficile, parce qu'en fait les ennemis, vous voyez, comme les abeilles là, elles sont indestructibles. Bon bien sûr, comme je l'ai dit, je connais bien déjà un petit peu niveau, mais vous voyez, des fois il y a des pièges, vous voyez, il y a des petits pics. Donc vraiment pour mes 22 ans, c'était peut-être pas le jeu idéal, parce que je vais sûrement péter un plomb, mais bon, je fais avec, j'assume. Comme bien sûr, on pouvait toujours accélérer. Oh, j'ai fait glitcher le jeu! Ah oui, c'est un petit hack, hein, donc c'est pour ça. C'est la première fois que j'ai réussi à le faire celui-là. C'est de l'impro. Donc vous voyez, là on va attaquer la première partie du niveau. Et là justement, c'est les abeilles qui vont commencer les couilles. Et youpi, je tombe dans le trou. Et la première mort, et c'est pas fini. Et bien sûr, vous avez le nombre de continues, hein, vraiment, on dirait que c'est une sorte de troll limite, vous voyez. Alors, Night Eat Palace, acte 1 sur 8. Toujours la belle intro que j'aime. Et normalement, là, la musique, là, elle est tirée de F1 Race. C'est un jeu Mega Drive. L'auteur a vraiment pensé à faire un hack vraiment difficile et en même temps très jouable. Mais surtout très sadique. Et ça, par contre, j'ai horreur. Alors je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, je sais pas si j'ai envie de faire en plusieurs parties ou bien simplement vous montrer la première zone. Mais au moins déjà si je finis la première zone, ça sera déjà pas mal parce que j'ai quand même passé 4 heures déjà dessus. Hein. Laissez-moi pardon. Comme je disais, laissez-moi prendre le coup encore une fois. Hein. Sinon avancez la vidéo si vous voyez que vous faites chier. Ou bien quitter tout simplement, moi je demande pas à regarder mes vidéos non plus. Ah, je suis concentré là, je ne dis plus rien, j'esquive.
Hop, ça passe, oui, ça passe. Oh oui, impeccable. Oh, le checkpoint. Et là, par contre, petite cinématique. Oh, un petit crabe inoffensif. Oh, il est gris, comment ça se fait? Oh putain, il est vénère. Pourquoi vous avez foutu un crabe vénère après un checkpoint, sérieux? Putain, ça pète partout, faut tout esquiver là. Lolo, le PGM que je fais. Ah oui, donc comme je l'ai dit, je suis un grand fan de Sonic. Putain, je vais encore crever si je parle. C'est peut-être pas le jeu idéal à présenter pour un anniversaire, hein. Mais bon. Voilà. Et là, Green Hill Palace 2 sur 8. Et là, donc, elle vous semble très familière cette zone, non? Bien sûr, c'est la première zone de Sonic 1, voyons. Vous voyez, par contre, il y a des petites différences, hein. Les piranhas, ils explosent, hein. Des crabes encore plus furaces que d'habitude. Oh la vache. Alors, il se peut qu'il y a des petits soucis techniques, hein, parce que bon, comme c'est un hack, ce n'est pas un jeu officiel. D'ailleurs, j'ai sûrement vu que les pics sont en sang, à croire qu'il y a beaucoup de joueurs en fait qui sont passés par là et ils sont tous sans palais. C'est un petit bug là quand même, je trouve, les petits pics en sang. Hein. Pourquoi des pics avec du sang, sérieux? Moi, j'aime bien surtout, c'est la course de Sonic qui est vraiment bien illustrée. Alors, parfois, nous avons des petites caisses aussi, vous voyez, ça augmente les rings, comme dans les anciens, quoi, mais... Des petites caisses spéciales, vous voyez comment c'est bien illustré, vous voyez les petits piranhas là. On peut même pas faire un speed dash dessus, mais quel foutage de gueule. Moi j'ai dit du foutage de gueule. Oh non, mais c'est parti, deuxième mort. Bon, on reprend au checkpoint, c'est bon. Un petit looping, on enchaîne, petit tremplin, et c'est un fail. Oh, fail. Putain, on fout même pas le... Moi, me voulant passer rapidement, les piranhas nous touchent. Oh là là. Oh mais non, j'ai fait deux fois même erreur. Mais non. C'est horrible. Oh là 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 là. Pourtant, j'ai déjà fait le jeu. Pour moi, le... Oh là là. Non, dégage-toi, j'ai pas envie de te voir, non. Non, arrêtez de vous énerver comme ça, c'est pas la peine, non, c'est bon, j'ai rien dit. Vas-y, cours, mon petit Sonic. Mais non, arrête-toi, non, mais pourquoi je fonce toujours dans le trou, toujours. Ça va faire trois fois, bon sang, pour ça. Tu t'esquives, là, c'est bon, oh, je la sens bien, là, c'est bon, là, j'esquive tout, là. Doucement. Non, toi, tu m'auras pas, non. Oui. J'ai réussi à le tuer. On va aller doucement. Voilà. Et là, nous avons un petit bouclier. Et là... Ah tiens, c'est une musique de Sonic Advance, ça. Si je ne me trompe pas. Et là, par contre, il y a un petit truc à faire. Moi, j'ai remarqué qu'on peut faire comme ça. Ah, vous voyez, là, le boss était complètement changé aussi, hein. Vous voyez, maintenant, il y a trois boulets de pique, là. Au lieu d'être une grosse boule, là. Non, franchement, j'aime bien ça, hein. Il y a beaucoup de... d'imagination. Mais par contre... Oh, putain, qu'est-ce qui est difficile, comme je l'ai dit. C'est limite une torture. Heureusement, on perd pas toujours tous nos anneaux, parce que... Là, il me reste plus que 51 rings. Avec un petit temps en dessous, et la vie en bas à droite. Ah, j'ai réussi, c'est bon. Nickel. Et bah voilà, quand on veut. Je vous ai quand même montré la première zone. Bon, bien sûr, là, il y a un petit texte en anglais, hein. Racontant un peu l'histoire, donc c'était le créateur, en fait. Il avait même fait participer, je pense, son équipe, pour faire un petit scénario à la va-vite, quoi. Ouais, la zone green, elle a été transformée en véritable enfer. Comment cette situation est possible, bref. Là, vous entendez le nom de Uber Hub Palace. Uber Hub, moi je sais pas, c'est Uber Hub en anglais.
Bon, par contre, il y avait une petite zone là, mais j'ai pas vraiment envie de la montrer parce que j'en ai trop chier quoi, j'en ai vraiment trop chier. Et puis vous inquiétez pas, de toute façon, vous aurez de quoi. Et là maintenant, on va attaquer à Runette Palace. Ah tiens, c'est une musique de... Comment on m'appelle déjà ? Eternal Champion, je crois que c'est le thème de Jax là, c'est un jeu de baston de sur Mega Drive. Je me souviens bien. C'est le thème de Jax, j'avais pas fait attention. S'il me semble. Mais en tout cas, c'est le jeu, c'est Eternal Champion, ça c'est obligé, j'ai reconnu, c'est Eternal Champion. Ah, vous voyez, hein. Là ça va, là, le niveau n'est pas encore trop difficile. Ah, mais l'ambiance sonore, moi je l'adore. J'adore les remixes. Là, par contre, c'est un petit peu sadique, j'ai jamais réussi à passer sans me faire toucher. À croire que le bouclier a été fait exprès. On n'a pas de passage secret cette fois-là. Non, c'est bon. Hop. Allez, donc, nous continuons notre petite escapade là. On passe en vitesse. Après, des petites vies un peu partout, hein, avec toujours des petits secrets. Et pourtant là, là ça va, ça s'est calmé. Hein. Mais attendez, après, si je vous montre la prochaine zone là. Dans la mer. Ah là, dans la mer. Ah, dans la mer. Que c'est beau dans la mer. Le labyrinthe palace. Et là, donc, nous allons attaquer au moment le plus difficile du jeu. Alors franchement, j'en ai galéré si je réussis du premier coup. Alors, on peut utiliser, vous voyez, un nouveau pouvoir. Et là, vous voyez, si on tombe dans le coup, bah, on perd nous des rings. Et si on bouge pas, les rings baissent très rapidement. Et donc, il faut... Ah, punaise. Passer ces pics de merde. Alors là, l'auteur avait proposé d'appuyer sur ABC en même temps pour, comment dire, rendre le jeu plus facile. Mais moi, je suis hardcore, je passe quand même. Allez, bon sang, bonsoir. Allez, je le passe, c'est là, c'est bon. Mais on se dépêche là, il reste plus que... Allez, 125 rings, allez, on se dépêche. Alors, faut passer un petit peu sur le côté. Ah, faut connaître impérativement par cœur le jeu, c'est pour ça que je l'ai fait une première fois, comme ça je peux vous montrer un maximum. Ah, hop, punaise, là faut les ralentir. Alors comme je l'ai dit, j'ai passé au moins 4 heures dessus, hein, pour vraiment le connaître par cœur. Ah là 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 là, comment ça, il reste plus que 20 rings, ah, je crois que c'est mort là. Ah, si je vais mourir, eh ouais, je n'ai plus de rings. Le jeu considère qu'on est mort en fait. Non, franchement, c'est vraiment bien pensé, hein. Mais franchement, ce jeu n'est pas à mettre dans toutes les mains. Hein. Franchement, il y a un petit bug, vous voyez, là, le mur il sortit un tout petit peu, mais quand on recule et qu'on revient, et le mur s'efface. Bon, ça, c'est des petits bugs, hein. C'est pas encore dérangeant. Hein. C'est pas des bugs qui vont vous gêner durant votre progression. C'est au moins ça. Je préfère des petits bugs graphiques que ça. Alors, maintenant, on tente là, est-ce qu'on va passer? Non! Bordel! C'est bon, je passe. Voilà, vite, 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 vite. Bon, c'est bien, au moins on a toujours une vie. Au moins ça évite de tomber à court de vie pour recommencer tout le niveau entièrement. Oh là là. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur la touche pour faire les petites bouboules. Hop, doucement. Ah, c'est vraiment un petit pouvoir qui consomme toutes nos rings. Et donc il faut finir le niveau comme ça. On est obligé. Parce que sinon, bah, on n'avait pas le choix de s'empaler. Je recommence encore une fois. Et and again, and again, and again. Ah, je suis concentré. Allez, je ne dis plus rien. Au moins de cross crescendo. Et non, la vache. Allez, je me suis pourtant entraîné, donc. Hein. Ressaisis-toi un peu, quitte à y avoir 22 ans maintenant. Allez, doucement. Ah, bordel! Oh, mais non, mais non, mais non. Et là, on a le droit à un petit bug graphique, là. Ah là 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 là. Mais quand est-ce que je vais réussir à passer ça? Bon sang de bonsoir. Ça fait déjà combien de temps qu'on tourne, là? J'ai pas vraiment de compteur sous les yeux, là, par contre. C'est dommage.
Oh lolo. Ah ouais, c'est, on peut pas faire de spin dash, putain, j'oubliais. Ah, putain, c'est pas vrai. Hop, oh la vache, voilà. Ouais, des merdes. Toi, tu caisses. Sinon, la petite position pour faire le spin dash là avant qu'il fasse le spin, enfin, avant qu'il fasse le spin dash, est vraiment nouveau aussi. Ça, c'est. Et j'aime bien. Mais là, le Sonic qui tombe tout le temps et dit: mais par pitié, passe-moi ce niveau, j'en ai ras le bol de crever, bon sang. Ah, mais j'essaie, mais. Que veux-tu, si j'y arrive pas, mon grand. Ah là là, pourtant je suis né en 91 comme lui, bon sang de bonsoir. Dire qu'avant il devait s'appeler Monsieur Nedog, non, ça devait pas être un hérisson. Et je suis content quand même que c'est devenu quand même un hérisson qui quand même a de la classe. Et bon sang de bonsoir. Et je vais pas réussir à tous les coups, je vais rater mon coup, voilà, j'ai plus de ring. Et ouais, voilà. Bon sang. Quand je vous dis que ce hack est difficile, en plus je dois encore vous parler pour essayer de pas trop vous saouler en plus. Oh là 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 là. Allez, maintenant concentration. Concentration. Eh non, ça va pas. Ah, ça passe, c'est bon. Allez, vite. Tout ce niveau est assez long comme ça quand même, on a au moins une bonne minute comme ça. À faire. Voilà, doucement. Là, faut partir doucement. Hop. Oui. Oui, c'est bon ça. Oulololololololol. On y va, mollo. Pas tout doucement non plus. Oh lolo. Oui. Oh, punaise. Oh oui, j'ai réussi. Oh oui. Ça fait plaisir. Et donc voici, donc on a passé donc la deuxième zone en fait. Donc comme je l'ai dit, le grand anneau d'avant en fait c'était le niveau de Sonic 1 mais avec beaucoup de modifications. Je ferai peut-être une vidéo encore une fois dessus sur les niveaux bonus, parce qu'à la base il fallait passer obligatoirement, mais comme j'ai fini je peux faire montrer quand même des niveaux qui sont, comment dire, plus intéressants. Ouais, donc voilà, là on est arrivé à Labyrinthe Palace, voilà. Donc le fameux Labyrinthe Palace, c'est sous l'eau. Et donc là, attention, ça va être assez rageant. Parce que regardez, je vais vous illustrer ça. Vous voyez, l'écran il monte, hein. Vous êtes d'accord? L'écran il monte. Mais quand on veut revenir en arrière, eh ben le jeu considère qu'on est mort. Sonic est tombé dans un trou, donc. Alors pourtant, on avait de la plateforme. Et là, justement, on est parti pour au moins un bon 5 minutes dans ce niveau. Pourtant, je l'ai réussi, mais le parcours exact, je ne le connais pas. Parce que bon, c'est un labyrinthe, hein, tout est dans le titre. Non, je veux pas mettre en mode mode facile. Moi, je l'ai passé en mode normal, je le passerai en mode normal. Nap, c'est tout. On se dépêche, là. Allez, une petite bubule. Une petite bubule. Ça fait toujours du bien, une petite bubule. Là, on y va, mollo. Avant, il y avait un ressort caché, normalement, là. Voilà. Parce que des fois, il y a des pièges, hein, il y a des petits... Yeah, j'ai raté mon saut, bordel de merde. Ah. Et on recommence. Ouais, des petits temps de latence là, le temps que le niveau il charge, mais c'est normal. Hein. Voilà, je me dépêche un petit peu là. Allez. C'est par ici. Pas trop non plus quand même, parce que je dois encore faire des erreurs. Hop. Allez. Allez, je vous entends hurler là depuis le... derrière le PC, voilà. J'attends hurler depuis derrière le PC à vous m'encourager là, c'est un truc de dingue. Ah, vous m'encouragez pas? Ah, bande de salauds. Bande de salauds. Non. Oh là 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 là. Ça c'est pas vrai, bon sang de bonsoir, je vais péter un plomb. Pourtant je l'ai repassé. Allez. Doucement.
Putain, je vais prendre la bulle, je vais mourir. Voilà. Oh, j'ai raté le saut. Ça passe. Oh, punaise. Alors, faut vraiment rester sur le pixel près. Oh, la vache. Oui, voilà. Donc là, on sort enfin de l'eau. Hein, on continue notre petite escapade à l'air libre. Ça fait du bien. Punaise. Oh là 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 là, j'ai fait le con. Ah, le premier checkpoint, tranquille. Et là, ici, on a un petit piège. C'est que là, justement, là, si on tourne de ce côté-là, on a un piège, donc il faut partir sur la gauche. Parce que vous voyez, je vais vous montrer. Et en plus, il avait mis des pics à côté, hein. Ah, petit salaud. Ouais, il y a des petits pics avec une case de vie supplémentaire. J'attends à me dépêcher, par contre. Alors, il n'y a pas de bulle quelque part, là? Oh là, il n'y a pas de bulle, là. Oh, 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 oh. C'est quoi derrière, là? M'en fous, j'ai gagné une vie supplémentaire. Nanana, tu m'auras pas eu. Allez, je respawn au dernier checkpoint, là. Voilà. Allez, ah, je vais le faire, hein. Ah, j'ai dit que je le faire, je le ferai. Voilà, doucement. Oh là 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 là, je crois que ça va passer, c'est bon. Hop, on va sauter tout de suite. Ça passe. On va prendre la bulle d'air. Voilà. Ah, c'est pas encore fini, hein. La petite caisse de vie, mais bon, ça c'est un piège, hein. C'est vraiment pour attirer dans un piège et pour ainsi mourir comme un con. Là, non, faut pas aller sur la droite, là c'est un piège, oui. Là, tu peux prendre le ressort. Ah bah là, le petit piège aussi. Oh là là, oui. C'est pas mignon ça, je me suis entraîné et tout. Ici, oui, il faut... Je me suis... Ah, faut partir par là. Oui, j'ai vu, juste. J'ai réussi. Et voilà. Bon, bien sûr, comme je l'ai dit, vous voyez, hein, c'était assez rapide. Hein, je me suis entraîné, mais je peux vous dire que quand vous connaissez pas le niveau... Oh là 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 là. Vous en chiez. Alors. Man, if you could see your face now, you totally godlike. Ah, c'est sûr, si je vois ma tête en ce moment, je suis super content, oui. Et puis se fout de ma gueule, ce jeu. Alors, retournons dans le Hub Hub Palace. Pour continuer notre petite escapade d'entre d'autres zones. Donc là on avait fait le labyrinthe. Non, j'ai pas moi. J'ai montré peut-être ça après. Donc je vais montrer celle-là maintenant. Scar Knight. Ah, c'est la zone finale bientôt là. Ouais, ça c'est la petite cinématique là pour signaler. Voilà, il y a une petite production. On voit Eggman qui va activer. Et les petits bons, ils sont quoi? Bah, ils se transforment en méga bombe. Eh ouais, c'est encore plus dévastatrice. Scar Knight Palace. Allez, on y va. On trace, allez. Là, j'aime bien la musique aussi, hein, mais je me souviens plus trop de quel jeu c'est. Je l'ai perdu quelque part, il me semble, mais je l'ai pas. Je me souviens plus du jeu. Putain, mais franchement, c'est vraiment soigné quoi. Hein. L'ambiance sonore, elle est soignée, je kiffe. Même si c'est un jeu difficile, j'ai bien ragé, j'adore. Parce que moi aussi au début, je croyais que ce jeu était facile, mais non. Si vous cherchez du défi, les mecs, prenez... Ah, petite cinématique. Et là... Ah, mais tu ne la feras pas deux fois, toi, non. Alors, on peut pas le toucher, celui-là, par contre. On est obligé d'esquiver... Oh là là. Pendant quelques secondes... Oh là là, vous avez toutes ces projections qu'il faut esquiver là, mais c'est quoi? C'est quoi ce jeu de dingue? Oh là 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 là. Oh punaise, oh j'ai esquivé d'un poil. Oh punaise, oh là là. On a compris, t'es pas content toi, vas-y arrête de péter là putain. Oh là 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 là. Oh punaise. J'ai plus de ring là si je me fais toucher encore une fois. Ouh là là. Ouh là là. Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Bordel, j'étais presque. Mais franchement, si j'ai pas montré aussi les niveaux, comme je l'ai pas encore dit, c'est que les niveaux bonus là pour chercher les émeraudes, et ben c'est tout simplement un pur cauchemar. Et ça, je vous laisse pour vous. Le découvrir.
Parce que je sais que c'est des fans de Sonic qui regardent cette vidéo vont sûrement tester ce jeu. Ça vous des nerfs d'acier. On va avoir une petite cinématique avec la petite bombe. Voilà, on est parti. Allez, là faut esquiver. Moi j'ai cru qu'il fallait attaquer, mais non, on peut pas le tuer en fait. Faut vraiment attendre que toutes les bombes elles pètent. T'as la vache. Un ennemi invulnérable quoi. J'ai dit quoi, ça va jamais finir, mais il y a vraiment une fin. Oh là 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 là. Oh mais comment tu esquivais ça quoi? Non mais c'est. C'est hardcore! Oh là là. Oh putain my god. Oh là là. Oui, punaise. Oh là là. Oui, oui, oh, c'est bon ça. Oui, c'est bon ça. Oh, j'ai eu de la chance. Ah bah donc un demi-boss là vaincu. Comme le crabe. Ah, il était vraiment chanceux là par contre hein. Allez, spin dash. Alors non, maintenant vous allez attaquer à une zone en fait très spéciale. Là c'est vraiment une zone très spéciale, vous allez voir. Donc si je rage, c'est normal déjà, vous voyez, écoutez la musique là. Allez, épique hein. Mais voyez, dès qu'on touche la rouge, vous recommencez. Et donc au fur et à mesure que vous touchez les bords, vous voyez que je passe à 97, là je passe à 92. Vous perdez à chaque fois, vous perdez à chaque fois 5 rings. Et ouais, un véritable cauchemar. Donc là c'est parti, je vous dis personnellement c'est le moment où j'ai le plus galéré à passer. Alors, bien sûr il y a des petits checkpoints à chaque fois. Ils sont gentils, fitness. Alors si j'ai franchement je crois que la vidéo va s'arrêter sur cette zone parce que si je vois que je galère trop. Oh la vache. En fait, il faut appuyer sur A, si vous maintenez A, Sonic s'envole en fait. Et il tombe tout le temps en fait. Et si vous lâchez A, et ben Sonic tombe. Alors je vous conseille à chaque fois, si vous y jouez, hop, punaise, de faire des petites pressions sur le A. Comme ça, ça atterrit tout doucement. Hop, hop, hop. Un petit peu toute cette façon. Répétition, hop, hop, hop. Oh la vache. Concentration. Parce que là, c'est rien, hein. Ce qu'il va y avoir après, oulala. Ah bien sûr, il y a un petit trou là, si vous tombez trop bas, vous mourrez. Vous faites pas téléporter. Oh punaise. Allez, le prochain checkpoint là. Oui. Là, on va attaquer à une zone très chiante, mais là, il y a une petite astuce que j'ai trouvée. Vous voyez, il y a des petites bombes, je vais vous montrer. Il y a des petites bombes là. Mais quand vous frôlez... Oh là là. Oh ça... Ah, dommage. Il faut frôler la barre du bas, comme ça, vous déclenchez un mini-bug, si on peut dire. Comme ça, les explosions, elles vous touchent pas en fait. Et bien sûr, si vous faites toucher une barre rouge et que vous avez plus de ring, et ben vous avez perdu. Vous mourrez. Ah bordel, il m'a touché. Faut vraiment rester au bord, hein. Au bord de la ligne rouge là. Ah, je me suis entraîné. Oh là, non, 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 non. Allez, on va le faire. Hein. Oh, oh. Doucement. Oh non, c'est pas vrai. Faut accélérer. Allez, 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 allez. Hop. Oh là là, oui, c'est bon ça. Oh oui, c'est bon. Oups, stop. Ouh là là. Oh là là, c'est bon. Oh. Au moins, il y a un petit checkpoint pas loin, si je me souviens. Oui, nickel. Alors, si j'arrive franchement du premier coup sans mourir, là... Oh là là. Ça serait vraiment un miracle. Oh, punaise. Oh là là là, doucement, doucement. Ah, oh, je l'ai pris. Après, là, c'est des petites zigzags, voilà. Ah, c'est pas vrai. Et dire que le jeu peut après apparemment jouer sans checkpoint. Eh mais c'est. Ça serait vraiment un truc de psychopathe quoi. Non mais ceux qui réussissent à faire ça sans checkpoint, je leur tire mon chapeau quoi, c'est limite. Oh punaise. Ah, ça passe. Ah, doucement. Concentré. Oh là 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 là, j'ai eu de la chance. Oh c'est pas vrai. Non, deux fois, me semble, bonsoir. Reste ton calme. Respire. Respire, guidé. Détends-toi. Putain. Non. Un again. Un again. Je sens qu'il va y avoir un again, encore une fois. Dédicace à la DR aussi, hein. Daredevil, Devoxid, Frigor, si vous me regardez. J'espère que la vidéo vous fera plaisir. Bien sûr, toute la communauté NM, si vous me regardez. Pillow. 7 du 60, Bacamalo pour les fumeilles, et compagnie, Wister aussi si vous voulez,
Valentin XVR, Foulirex. Dédicace, ouais, comme ça, ça sera déjà fait. Sur des pétages de plomb de merde. Hop. Ah. Allez, franchement, dernière chance là. Si je vois que j'y arrive pas, j'arrête la vidéo. Je vais jusqu'au bout. Dès que je meurs, je cesse la vidéo. Hop, oh, punaise. Bon bah apparemment, je crois qu'on va s'arrêter là, les amis. Et on va s'arrêter là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous aurais mis un petit lien dans la description pour avoir ce jeu. Donc je vous conseille donc d'avoir des terres en acier. Parce que vraiment, ce jeu va vous faire péter. Parce que franchement, vu que je me le suis tapé juste avant de faire la vidéo pour bien connaître le parcours et vous montrer un maximum. Et je vois que j'ai même pas pu finir un niveau que je connaissais par cœur. Alors voyez comment le jeu est difficile. Donc je vous dis donc à la prochaine. Et en espérant vous revoir dans une prochaine vidéo, bien sûr. Ciao, ciao, portez-vous bien.